10 avril 2022, je ne vote pas au pays des hashtags. Hashtag je ne vote pas pour je ne voterai pas. Et nos tables ont choisi leur candidat et nous demandent de participer à la mascarade. Et grands électeurs ont confisqué la République et nous demandent de nous déplacer. C'est non. Hashtag je ne vote pas donc et hashtag rendez-nous la République. Le chapitre 62 du bouquin « La France harmonieuse, naturellement toujours invisible » s'intitule « Ne plus voter s'impose à chaque élection » et débute par le « Je ne voterai pas les 10 et 24 avril 2022 ». Oui, c'est presque un lapsus. Oh, je le garde. Voter, ce serait montrer son accord avec le fonctionnement de cette élection présidentielle déclarée à deux tours, alors que le véritable premier tour est réservé aux grands électeurs. On a même assisté à une superbe tambouille cuisinée par Bayrou François et sa banque, décidément j'en suis au lapsus, et sa banque de parrainage. Ils sont tous des candidats de l'avoir, et en présentant le candidat possible de l'être, j'ai obtenu encore moins de parrainage que François Hollande, qui certes n'était pas déclaré candidat, mais Emmanuel Macron non plus. C'est vraiment de la mascarade notre République devenue, et je vous conseille, ces 10 et 24 avril, d'être en marche, oui, de marcher tout simplement, marcher où vous souhaitez, à la campagne, ou même autour des bulletins de vote, ou des bureaux, comme vous le voyez, mais toujours en harmonie et avec le sourire, et en leur faisant même des petits signes.